Wish you Merry Christmas. Wish you Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Aïe, joyeux Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël à vous. Ça fait longtemps. Je testais un peu pour vous dire que je suis vivante, que vous me manquez énormément et que j'attends la nouvelle année pour reprendre notre émission Regard sur le monde. Hein? Avec nos histoires des autres. J'ai 120 histoires. Gardez, à vous raconter. J'espère que vous profitez-en et que vous avez dit merci au Seigneur parce que beaucoup de personnes sont décédées cette année. Et aujourd'hui, au Cameroun, avec l'affaire de poison, là. Aujourd'hui, on est déjà à 4 morts. Alors, je voulais seulement voir si ma page là peut même encore faire le direct. Je voulais seulement voir si la page là peut encore faire le direct. Joyeux Noël, Jacques. Joyeux Noël à vous. Prenez soin de vous. Ne laissez pas votre verre ou votre bouteille de boisson au bar avec les amis. Faites attention là-bas. Soyez prudents, mes amours, soyez prudents. Pas de confiance là-bas dans les bars au pays. Ne laissez pas vos verres, ni vos bouteilles. Vous attrapez ça que comme ça. C'est une seule seconde que vous allez seulement... C'est fini, oh. Ils vont vous avoir. On vous a dit que c'était dangereux. Personne n'a accepté. Vous avez dit que vous allez sauf que partir. Adama, le poison qu'on est en train de partager là-bas. Faites attention à vous. Hey, je n'aime pas les qualités de publicité là sur ma qualité, sur mes choses. Je suis venue pour tester si la page là, le direct peut même encore marcher. Bonsoir, Fungi. Bonsoir. Merry Christmas, François. Je voulais voir si le direct peut encore marcher sur la perche. La haut près, là, elle va bien. Son Jang 112. Voilà. Elle est tranquille. Elle prie pour vous. Je prie pour moi. Je prie aussi pour vous. Voilà. On serre le coude. On serre les doigts pour que la nouvelle année nous trouve tous vivants. On essaye de faire du bien, même à ceux qui nous font du mal. On va prier pour eux parce que le Seigneur a demandé de pardonner 77 fois fois 7. On va sauf que les pardonner et on va prier aussi pour eux. Ceux qui sont allés au pays, là, attention à vos boissons et vos nourritures. Ouais, Seigneur Jésus. Maman, donne la page si le direct passe encore sur ça. Tout le monde a signalé l'enfant de sa mère. Tout le monde voulait faire regard sur le monde. Tout le monde voulait aussi inviter les gens. Ils m'ont... Anne-Flo, c'est comment? Ils m'ont tellement signalé que la haute pratique, hey, pardon, allez, on s'est interviewé, on voit. Maman, Adama, vous partez interviewer là. Vous avez abandonné les thèses interviews. Ouais. On dit que la chose de quelqu'un, c'est sa chose. Quand vous trouvez votre soeur en train de faire quelque chose, ça vous plaît. Mes soeurs, mes frères, venez ensemble soutenir l'initiative pour que ça avance.
Arrêtez de combattre ce que Dieu a donné à quelqu'un. Il faut que chacun pose interviewer les gens. Vous partez interviewer. Bon, maintenant là, en dehors de ce que je les avais amenés pour les interviewer, là, vous avez amené quelle nouvelle personne pour interviewer? Pourtant là, au prêt capable, hein, je prends même le chef d'État venu mettre là sur Facebook pour interviewer. Donc vraiment, arrêtons le mal. En 2022, là, on doit réaliser des bonnes choses ensemble. On doit laisser les mauvaises habitudes de côté. Parce qu'ensemble, on est fort et désunis, nous sommes morts. Combien de fois on va vous dire ça? Engokwale, Larry, Merry Christmas. Thank you everybody. Anne-Flo, laisse ça, tu m'as appelé depuis. Cet appel-là, tu vas prendre, tu vas fuir Facebook, non? Voilà, même, il y a même la caméra qui monte sur ton truc. Cet appel-là, si tu vas prendre. Est-ce que tu vas prendre? Merde, l'ancien caméra aussi est venu. Merde, t'entends ce qu'un bec de reprendre moi, mes émissions, mes interviews. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Ah, Flo, voilà, alors, il t'a ajouté ça, son chat après. Oh, Seigneur Jésus. Joyeux Noël, là-haut, oh, joyeux Noël. S'il vous plaît, n'abandonnez pas vos boissons là-bas. Ne laissez pas vous nourrir. Tu vous fais confiance aux gens là. Vos boissons là, il n'y a pas de cœur. Regardez, j'arrive. Non. Oui. On va créer, on recompte. Nouvelle année là, on reprend avec nos invités de marque. Voilà. Mais tonton Zoukenbek là, on va l'amener ici. Là, il va venir me dire pourquoi. Tout le temps, il me censure. Il va venir ici, là. On doit reprendre avec nos invités de marque. Mais on va élargir la chose. Mais on va faire les invités de marque une à deux fois le mois. Mais chaque semaine, une ou deux fois la semaine, je vais vous raconter une des histoires sur les 120 histoires des gens que j'ai déjà écrites. Je vais partager ça avec vous afin que on puisse saisir les histoires des autres pour que ça nous plus, ça nous fait un plus quoi, ça nous éduque, ça nous fait avancer, voilà. Qui voulait qu'elle invite ici là sur la vidéo et Ayombandé, c'est qui? J'ai envoyé. Hein? C'est que ça prend là-bas. Je vais bientôt quitter. Tu as fui. Tu as fui l'invitation. Oh, vraiment, j'aime trop votre affaire. Je voulais voir si la page là pouvait m'encore faire le direct. Voilà, quand j'étais comme sanction tout le temps, la fille de tout lui. Je n'insulte pas les gens. Je prends l'amour. Je prends la justice. Je prends le vivre ensemble. Hein? Je prends le partage. Je prends le pardon, je prends l'amour, mais c'est moi qu'on signale, c'est moi qu'on sanctionne. Donc, franchement, ça m'a déjà. Donc, faites attention, vous qui êtes allés fêter au pays avec vos familles et vos amis, ne laissez pas vos boissons. Ne laissez pas vos boissons, je vous en prie. Joyeux Noël dollar. Joyeux Noël, comment ça va? Ne laissez pas vos boissons. Dollar, c'est comment? Je t'ajoute. Tu vois la caméra sur ton truc. Maman. Je t'ajoute. Tu vas prendre. Vous êtes comme ça. Prends vos ajouts. Vous ne prenez pas. Je voulais seulement tester si la page là peut encore même prendre le direct. Comme ça prend, c'est bon. Les caméras, même, ça monte, c'est bon. Nouvelle année, là. Tout suit, là. Tout suit, la caméra. Hey, la paix de caméra. Je voulais tester si la part, je pouvais encore prendre, faire les directs. Là, tonton Zuckerberg, il est tout en train de me punir à cause des gens qui signalent la Oprah. Pourtant, la Oprah, elle est une plainte, elle ne dérange pas les gens. Je ne sais pas ce que vous me voulez. Vous n'avez pas mon voix. Hein? Vous n'avez pas me voir, pourquoi? Vous n'êtes pas fier d'avoir une soeur, une mafieuse qui est belle comme moi là.
ma pourcentage. Hein? Si j'appartenais à un autre pays, ce que je gagne, les contrats de publicité, même seulement même pour la peau des millions. Mais comme l'homme camerounais n'aime pas encourager ce qui est bien, ils font la sorcellerie. Ils viennent me signaler. La nouvelle année, David Crépin, joignez-moi là. La nouvelle année, on va lancer, on va reprendre nos émissions, vous serez informés. J'ai les histoires que je vais reprendre pour vous raconter, pour que ça vous aide. Une ou deux fois par mois, on aura encore nos invités de marque. D'accord? Ben voilà, donc soyez forts, prions, soyons concentrés dans la prière, c'est la fin d'année. Il y a les mauvais vents qui passent, il y a tout ce que vous savez qui est là. Et la seule chose qui peut vaincre ça, c'est nous accrocher hein, sur la prière. Nous devons prier sans cesse parce qu'il faut qu'on entre dans la nouvelle année, tous, afin de planifier 2022 ensemble. 2021, je n'ai presque pas fait l'émission. Je vais dire presque, je ne fais que quelques-uns. Mais 2022, si le Seigneur me le permet, et si vous, vous pensez à moi dans vos prières, on fera des bonnes choses. Il y aura beaucoup d'histoires. J'ai déjà 122 histoires enregistrées que je vais vous raconter pour que vous puissiez vous enrichir avec. On va reprendre les invités de Mac. On va élargir le nombre d'invités pour qu'ils viennent partager leurs connaissances. Ils viennent nous éduquer, ils viennent nous sensibiliser, ils viennent nous apporter un plus. D'accord? Pas seulement la politique, on ne vit pas seulement de la politique, il y a du social, il y a de la culture, il y a l'économie, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Pourquoi pas? On va partager tous ensemble. Si quelqu'un est expert en un domaine qui peut faire en profiter à son peuple, vous me contactez là où passez. Je suis ta fille, là où passez la fille la plus polie. Quand on m'écrit, si je ne réponds parce que je ne suis pas en ligne, mais quand je suis en ligne, je réponds. Alors, si certains, je leur réponds parce qu'ils écrivent des choses qui n'ont ni tête ni queue, en fait. Mais quand c'est ce qui est normal, quand c'est ce qui concerne la sensibilisation, l'éveil de conscience, le partage, non, je suis là, OK? Donc, allez continuer à fêter avec vos familles. Hein. Je voulais seulement voir si la part, je pouvais encore prendre les directs. Et n'oubliez pas, même vous fait le coaching. Voilà. On va partager ensemble nos vécus. On va partager ensemble nos expériences. Mais Anne-Flo qui a fait la caméra là, non, elle doit venir partager avec nous son histoire qu'elle nous avait partagée dans le groupe WhatsApp là-bas. Elle vient partager avec nous. Donc, nouvelle année, là, on va créer un groupe WhatsApp qui sera un groupe WhatsApp, pas le... Il y a un groupe WhatsApp de regard sur le monde qui est politique, d'accord? On parle beaucoup plus politique là-bas. Mais on va créer un groupe WhatsApp, regard sur le monde, qui sera ouvert pour toute personne qui veut partager son savoir, qui a son histoire à partager. Pour qu'en fait, ensemble, on ne soit pas ensemble. Ça ne sert à rien. Vous voyez, les pages de tous les Ivoiriens, hein, c'est monétisé, hein? Mais voilà, combien de parts des Camerounais sont monétisés? Les Camerounais qui savent le faire, pourquoi ils ne font pas pour leurs frères, pour leurs sœurs? C'est ça qui va nous tuer en fait. Alors on va arrêter en 2022 la distraction de venir regarder les gens qui s'insultent, de venir regarder les gens qui n'ont rien à partager, qui n'ont rien à dire. On a traversé, on a passé les années à s'amuser et puis hein, on a plus de temps à perdre. Donc on va partager des choses qui vont nous aider. Que ce soit dans le domaine santé, culturel, je dis bien économique, tout. C'est quelqu'un qui sait qu'il est spécialiste, qui connaît. Il est carré dans un domaine. Il contacte la Oprah. Vous me contactez. Si vous me contactez sur WhatsApp, je ne vous réponds pas. Allez sur mon Messenger privé. Madame Fleur Karine, on a tapé seulement Oprah Bamileke. Vous arrivez, vous partez, ça m'affiche, ça me montre. Vous m'écrivez, vous venez partager votre vécu, votre histoire. C'est important. Parfois, on suit les histoires des autres et ça nous mûrit. Ça nous aide.
Par exemple, ici en Amérique, on va prendre ceux qui ont de vécu, qui sont là depuis, qui peuvent nous enseigner. Dis, bon, quand tu arrives en Amérique, mais la première des choses que tu dois faire, c'est quoi? Ils doivent nous apprendre ça. Ça ne sert à rien qu'ils sont là, ils se vantent qu'ils ont fait les années, plus que nous. Et nous, on est là, on ne connaît rien. C'est eux qui connaissent. Ça, c'est alors que vous croyez que vous connaissez et vous gardez. Partagez avec nous pour qu'enfin, nous tous, nous soyons une diaspora utile et importante pour qu'on tous nous en bénéficions du système, que nous soyons comme les Asiatiques et bien d'autres personnes, les compatriotes d'autres pays africains, que nous avançons ensemble. Ouais. On a beaucoup de choses à se partager. Ouais. Je continue à encourager tous ces étudiants-là qui vont aller en Europe comme étudiants. Ils sont en Afrique, ils vont aller en Europe comme étudiants. À l'université en Belgique, mais me contacter. Je vous montre. À moins de 60 000 francs, on vous montre comment faire. Il suffit que vous avez quelqu'un qui va vous signer votre prise en charge et vous avez votre visa étudiant. C'est tout. C'est des choses à partager avec vous. Mais c'est des émissions que je fais il y a 3 ans et beaucoup de personnes ont profité. Et ils sont là, ils profitent, mais ils ne partagent pas. Et à la fin, ça me fait mal que je vois. Nos sœurs sont encore en Afrique en train de se faire prostituer parce qu'elle a vu un benguiste, elle est obligée de se faire des choses pas bien parce qu'elle rêve qu'il va l'amener en beng. Et pourtant, elle est là, elle est une étudiante à l'université, elle a les possibilités d'y aller. Mais on s'est focalisé que non, il faut énormément des millions pour y arriver. Non. Aujourd'hui, avec moins de 60 000 francs, j'avais fait une émission il y a 3 ans. Et aujourd'hui, il y a plus de des centaines, je veux dire des milliers d'étudiants qui voyagent, mais ils ne partagent pas avec leurs camarades. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, on va aider les plus pauvres. Et les gens doivent comprendre. Quand je dis on va aider les plus pauvres, les plus démunis, que les gens arrêtent de venir m'écrire pour demander l'argent. Là, on ne prend pas l'argent. Je suis futur milliardaire en dollars. Je ne suis pas encore milliardaire. Je suis futur milliardaire en dollars. Je ne suis pas encore milliardaire. Quand je serai milliardaire, je vais partager avec vous. Donc, pour le moment, là, au point, pas milliardaire. Ce que j'ai comme richesse, c'est la connaissance. Ce n'est que ce que je peux vous donner. Et la connaissance, c'est la richesse la plus précieuse. Si vous ne pouvez pas saisir l'opportunité, moi, je n'ai pas l'argent. Vous partez voir les filles qui sont sur Facebook là-bas, qui vous disent qu'elles sont les milliardaires, elles sont les millionnaires. Moi, je ne suis pas moi millionnaire ni milliardaire. Je suis votre ombre à la fleur du peuple. Tout ce que je peux vous offrir, c'est ma beauté et mon savoir. C'est tout. Quand je serai milliardaire, vous allez me poser vos problèmes là. Donc, pour le moment là, moi, mes besoins qu'on me donne aussi. D'accord, les amours. Alors, la page fonctionne déjà. On peut refaire les émissions et les directs. Mais je vous laisse que nous tous, nous allons se concentrer dans la prière pour entrer à la nouvelle année. À la nouvelle année, la Oprah, avec la grâce de Dieu, si le Seigneur permet, je serai avec vous au moins 2 fois par semaine avec les histoires pimentées. Voilà. Et chaque fin du mois avec un invité haut de gamme. Voilà. Il vient partager son savoir avec nous. Si possible, 2 fois par mois, les invités de Marc. Donc, je peux faire 2 semaines des histoires, 2 semaines des invités de Marc qui viennent nous raconter des histoires. Parce que j'ai laissé un peu les autres faire comprendre que vraiment, c'était le mbrakata. Le roi, comment vas-tu? Je te réponds, comment tu m'as pas appelé, le roi? Donc, la page est de renouveau active. Espérons que tonton Zoukembec va enlever toutes ces sanctions qu'il a mises sur ma page. Qui va enlever tout ça? Parce que moi, je suis là pour aider le monde. Je suis là pour donner un plus au monde. Pas seulement à l'Afrique, mais un plus. Parce que les histoires que je viens pour partager, ça aide aussi hein, les autres. Donc, mes amis, allez prier pour qu'on entre en nouvelle année. Vous priez beaucoup pour la Oprah. La Oprah les attaque, hein? La Oprah a les ennemis invisibles. Hein? La Oprah, les gens qui ont décidé qu'ils vont finir avec elle. Hein? Pour rien. Oh. Allez prier pour la Oprah. Vous faites les bactoussins de contre toutes ces personnes-là
qui peut déranger votre Oprah. Parce que la nouvelle année, là, la Oprah vous revient dans ses histoires piémontées et avec ses émissions, avec nos invités de marque. Même nos ministres au Cameroun, là, ils vont venir passer. Ils vont surtout venir ici. On va les interviewer. Voilà. Vous devez m'encourager dans ce que je connais mieux fait que vous. Parce que j'ai la capacité d'amener cette grande personnalité-là, là, par là avec vous. Donc, vous devez m'encourager dans ce sens. Si vous êtes là pour signaler, pour dire pourquoi père, pourquoi elle, on laisse l'Afrique là, ça tchakala, non, il y a même quoi. On laisse ça tchakala. Je suis fatiguée. Je ne veux pas les signalements en 2022 parce que je ne fais rien de mal. Je ne veux pas les signalements. Adama, vous m'avez trop fait. Je ne veux pas les commentaires des injures en 2022. 2022, là, on va apprendre. Si c'est pour faire la fête, moi, on va prendre des professionnels. Ils vont venir nous dire comment on fait. Si c'est pour prendre les professionnels, ils viennent nous dire comment on fait. On va être là pour s'éduquer, pour partager. Hein? Et moi, je suis là pour vous dire, la Oprah, malgré tous ses obstacles, toutes ses difficultés, tous ses problèmes, pourquoi elle garde sa beauté, son sourire? Mon secret, c'est Jésus. Parce que j'ai Dieu dans ma vie. Mon secret, c'est que j'ai l'amour et non la haine. Je ne sais pas haïr. Mon secret, c'est l'amour. C'est que mon cœur est plein d'amour. Mon secret, c'est que je suis dans la positive attitude. Ah. Je ne fléchis devant aucun mal parce que je suis focus dans les ondes positives. Et je sais qu'il y a le Maître suprême qui est avec moi. Je fais les efforts de ne pas faire des choses de malsaines. Je garde mon cœur bon. C'est mon secret. Ouais. Et je veux que vous soyez aussi comme ça. Gardez votre cœur bon. Aimez les autres. Priez pour les autres. Partagez le peu qu'on a. Mais ça ne veut pas dire vous laisser écraser. Hein? Parce que votre oppresseur est une femme de caractère. Je suis justicière. Je suis une combattante. Je suis une activiste. Mais qui prend l'amour. Voilà. Je ne dis pas que vous partez vous laisser écraser. Non, 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 non. Vous ne laissez personne vous écraser la tête. Parce que les enfants de Dieu sont la tête et non la queue. Vous devez tous être en 2022 les David. On va frapper Goliath. On va gagner. Alors pour ça, vous devez être là. Et toutes ces personnes en 2022 qui ont partagé l'émission, qui sont au Cameroun, ils vont nous prouver qu'ils sont au Cameroun. Et on va voir dans le nombre de groupes qui partagent l'émission. Et chaque fois qu'ils partagent, et on va rembourser l'argent. Donc, dès que tu partages l'émission, là, tu as tes 2 500 de connexion qu'on te rembourse. C'est 2 500, non? 2 500. On sera sûr que tu as partagé au moins dans 20 groupes. On te rembourse. Ceux qui ont partagé au moins dans 50 groupes, ils ont les 5 000. Voilà, parce qu'on a compris qu'au pays, là, la vie est dure. Les gens ne vont pas venir pour suivre l'émission quand ils n'ont pas. Donc, ceux qui vont se décider, on va créer un groupe. WhatsApp, les partageurs de l'émission Regard sur le monde. À chaque fois qu'ils sont en direct, on les envoie les MTN, les Orange Money. Voilà, c'est comme ça. Donc les managers, les sponsors là, ils vont vous donner ça. Voilà. Donc tous ceux qui sont au pays là, vous devez les dire à toutes les petites sœurs là, parce qu'en fait j'ai besoin qu'ils m'écoutent, parce que je veux les éduquer. Je veux les partager, je veux les donner les réalités de la vie, je veux les faire comprendre hein, qu'il faut apprendre, il faut aller à l'école, il faut avoir un métier, il faut avoir un boulot, il faut avoir un travail. Il ne faut pas seulement rêver à voir l'homme qui est riche ou l'homme qui est ceci, cela. Non, ce n'est pas ça la réussite. La réussite d'abord, c'est avoir l'éducation, avoir une formation, avoir un petit business ou un petit travail qui te nourrit. Et en 2022, là, on va faire ça ensemble. Et
On va rembourser votre argent. On va rembourser votre argent. Donc, ceux qui partagent, là, on va regarder, on rembourse l'argent de crédit qu'ils ont mis. Alors, mes amours, allez prier. Allez prier. Priez pour moi aussi. Ne m'oubliez pas dans vos prières. Il faut qu'on entre en 2022 triomphant de santé, de prospérité, d'amour, de grâce, d'argent, de richesse, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est positif. OK? D'accord? Voilà. À Oprah, la mère des enfants, celle qui aime tout le monde, celle qui aime tout le monde, mais qui est combattue par ces gens. Pourquoi? L'amour fait mal. Si on demande vrai, que ceux qui me signalent souvent là, leur but c'est quoi? Ils vont dire que c'est quoi? Une fille pleine d'amour comme moi. Hein? C'est terrible, hein? Pardon, ceux qui savent monétiser les pages, là, venez monétiser ma page. 2022, là, ils vont aussi m'asseoir, parler, je me fais l'argent et je vous donne aussi l'argent. Parce que ceux qui vont partager l'argent qu'on va aussi me donner, ils vont vous partager avec vous parce que vous payez votre connexion Internet, mes amours. Alors, allez prendre soin de vos familles, allez vous reposer. Et toutes ces personnes qui sont couchées malades, que le Seigneur vous guérisse. À tous ces prisonniers politiques, à maman avec vous, OK? Vous êtes des zéros. À toutes ces personnes qui passent des moments difficiles, ça va aller. C'est un mauvais vent. Derrière les grands malheurs se cachent les grands bonheurs. D'accord? Ne fléchissez pas, ne tombez pas. Restez positif. D'accord? Quel que soit ce que vous endurez, ne dites pas non, c'est fini. Non, c'est pas fini tant que c'est pas encore fini. Ça va aller. Allez, priez. Soyez très, très prudent. Ne blaguez pas, c'est la fin d'année. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Donnez beaucoup d'amour à ceux qui sont proches de vous. Beaucoup d'amour. Car rien ne vaut l'amour. Ce que tu as, partage avec les autres. Mais je ne dis pas qu'on te donne tout et tu restes sans rien, non. Savoir donner. Parce que si tu donnes même tout et sans donner, sans penser que tu dois rester un peu, même Dieu va se fâcher contre toi. Allez cultiver l'amour. Voilà. Et ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont des soucis, il faut m'écrire le roi. Ceux qui ont des soucis, qui manquent et avec qui vont partager, là auprès, là, je suis à cœur ouvert avec vous. Parce que quand vous venez me parler, je ne vous enregistre pas. Là auprès, c'est la seule qui ne fait pas ça. Je suis là pour vous écouter, pour vous aider à sortir de la situation où vous vous trouvez. Partagez votre peine. Partagez les moments difficiles que vous avez ensemble. Je suis là pour vous tenir. Là, quand ça ne va pas, garçon ou fille, non, n'ayez pas peur, appelez-moi. Ou écrivez-moi si vous occupez la Oprah. Est-ce que je peux te parler? La Oprah, je ne me sens pas bien. La Oprah, j'ai un souci. Je suis là. Merci, chérie. Merci, mamie. Attends, je bois un peu. Attends, je te donne. L'eau, c'est la vie. Thank you, mamie. Donc, mes amours, nous sommes une famille et je suis une confidente pour vous. Ne craignez pas. Avec moi, c'est la famille. Avec moi, c'est ensemble. Avec moi, c'est l'amour. Avec moi, c'est la positive attitude. D'accord? Ne me jugez pas sans me connaître. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jugent les gens. Beaucoup m'ont jugé. Quand certains viennent me raconter leur histoire, ils disent, ah là, je ne savais même pas qu'un jour tu pourrais me répondre. Non, je réponds à tout le monde. Ah ben oui, moi je ne suis pas là pour sous-estimer les gens parce que je ne connais pas le lendemain. Il y a les gens qui n'avaient rien hier. Aujourd'hui, ils sont des millionnaires. Ils sont des milliardaires. Donc, je respecte tout être humain. Donc, quand ça ne va pas, sachez que vous avez la marque que Dieu vous a donnée. Votre sœur, la maman, la Oprah.
Je suis là, mon frère, ma soeur. Ne pas pas faire du mal à ton frère parce que tu n'as pas pu avoir quelqu'un qui va te conseiller. Ne pas pas te suicider. Ne pas pas arracher ta vie. Ne pas pas te... Il y a beaucoup de choses. Ne désespère pas la vie. Je suis là pour te booster, pour te motiver, pour te dire, non, tiens bon, courage, ça va aller. Dans ma positive attitude, je suis là pour ça. D'accord? Voilà. Prenez soin de vous. Comme la page là, ça donne déjà, on se voit, non? D'accord? Voilà. Allez faire du bien. Allez faire du bien autour de vous. Parce que le bien est bien. Éloignez-vous du mal et faites du bien. Car le bien est bien. Bâton de Moïse, miracle. C'était bien moi, Madame Fleur Karina, la Oprah, votre sœur. Donc, oui, monsieur, c'est qui là? Monsieur Elodie, s'il vous plaît, les publicités des choses comme ça passent sur mon mur. Je vous en prie. Ici, je ne veux pas ça. Ici, c'est le temple du Christ. Je ne veux pas les choses comme ça. Vraiment. De grâce. Je dis 2022, là, moi, je ne veux pas bloquer les gens. Donc, que les gens sachent ce qu'ils vont venir écrire. Parce que bloqué, là, ils sont bloqués, mais ils ne connaissent pas moi débloquer. Il y a des gens qui sont bloqués, là, ils sont là, pleins, fatigués. Que là, oh, je ne connais pas moi. Donc, sauf que s'il y a un administrateur qui sera disponible, qui va aller débloquer. Moi, je ne connais pas débloquer. Donc, franchement, quand quelqu'un vous dit que je n'aime pas certaines choses sur mon mur, ne venez pas. Donc, il faut effacer ton affaire, là. Vraiment, en 2022, là, je dois avancer. Pas 2021, j'ai trop souffrance. J'ai trop souffrance. Voilà. Là, ton commentaire qui est supprimé. Ne viens plus mettre ça ici. 2021, là, j'ai trop souffrance. J'ai abandonné même ma famille virtuelle, là. Donc, 2022, là, je ne dois pas accepter que le diable le fait que... Ah, non, 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 non. Je dois être avec vous. Je dois revenir sur scène avec des sujets sensibles, éducatifs, importants et les invités haut de gamme. Ça, c'est ce qu'on va faire. Alors, allez fêter avec votre famille. Hein. Prenez soin de vous. D'accord? Attention à vos verres. Attention à vos repas. Ils sont autour de nous. On ne se les connaît pas. Jusqu'à ce quand ils nous finissent. Qu'au-delà. Je croyais que c'était mes amis. Je croyais que c'était mes amours. Je croyais que c'était ma famille. Mais c'est eux mes ennemis. Donc faites attention. D'accord? Soyez prudents et priez sans cesse. Wish you a Merry Christmas. Joyeux Noël. Joyeux Noël. On se voit à très bientôt. Je vous aime. C'était la Oprah. Notre page est opérationnelle. Ciao.